Fait que là, tout d'un coup, OK, sur toutes les télévisions de la planète Klingon, OK, il y a un vidéo d'un extraterrestre qui apparaît puis qui dit c'est Pierre Bruno, en fait, c'est lui qui joue le rôle, tu sais, mais il a la peau super lisse puis il n'y a pas de nez. OK? Oh, oh, ça, c'est fou. Il est lisse. Okay. Okay. Juste, c'est Pierre Bruno puis il dit bonjour, les gens de Klingon. Et là, j'arrive ici. Et vous êtes maintenant, je vous envahis à cause que je veux voler toutes les cigarettes de votre planète. À cause, j'en ai besoin. Bye. Puis là, il y a genre un extraterrestre à la peau vraiment lisse qui apparaît dans le bureau, tu sais, avec un fusil puis qui vous pointe. Qu'est-ce que vous faites? Comme un Pierre Bruno, genre? Puis c'est comme un. C'est un mais de la race lui, de Pierre Bruno. C'est pas Pierre Bruno. Bruno. C'est genre quelqu'un qui ressemble à Pierre Bruno. Mais on le reconnaît pas les deux. Ouais. Puis il arrive avec un gun. Il arrive avec un gun puis il vous vise. Il va vous tirer, là. Il dit donnez-moi toutes vos cigarettes. Puis là, non, bon, mais... là, je vais essayer de le convaincre. Moi, c'est mes réflexes. Là. OK. Je vais essayer de le. OK, fait que. De juste de faire, gars, écoute, man, là, c'est pas tes affaires, t'es qui? Tu veux-tu t'asseoir? Qu'est-ce qui te manque, là? Tu sais, juste faire comme, je peux-tu t'écouter? Qu'est-ce que tu veux? OK, tu vas, vu que t'as un talent là-dedans, tu vas avoir un des verts, puis ça va être deux des mauves. OK. La difficulté. Oh, yo, yo. Ce sera pas facile, ça. Là-dedans. Ouais, tu peux. Ouais, hey, ça va moins loin, c'est encore okay, plus fait là. Fait que là, t'as ici deux insuccès, une réussite, puis avec avantage. Fait que tu réussis pas, mais avec avantage. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, tu dis quoi? Tu dis genre... Gars, écoute, des cigarettes, mon chum, il y en a pour tout le monde. Ici. Dire, nous autres, on fume plus, mais nos enfants, ils connaissent ça au max. Il s'approche de toi, tu sais, puis là, il tire pas, parce qu'il te donne une deuxième chance. Il dit, d'autre bois toutes tes cigarettes, sinon je te tire dans la face. Yeah, moi, je vais arriver, monsieur, moi, je travaille ici, là, OK, puis on en a plein des cigarettes, genre, pour les enfants, c'est dans le local pour les enfants, si vous me laissez aller les chercher, je vais vous donner toutes les cigarettes que vous voulez. Va chercher les cigarettes. Yeah, je vais chercher les cigarettes, OK. Fait que là, tu t'en vas dans la place pour les, où est-ce que les enfants? Oui, mais il y a pas les enfants qui sont là, mais c'est genre le dépôt à cigarettes pour enfants, là, okay. C'est super normal. Nous, OK, tu rentres dans la pièce, puis là, il y a genre à peu près 5 soldats, comme ça, qui sont en train de mettre les cigarettes dans les sacs, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce qu'on avait les... Mais les soldats de l'autre. Oui, oui. Fait que là, je dis, bon, mais vous avez trouvé les cigarettes finalement? Fait qu'on peut-tu juste. Comme... Fait que là, ils tirent dans ta direction, mais ils te manquent. Mais là, je pars à courir. Où? Mais dans le corridor, là. OK. Puis là, je me sauve, là. Je laisse faire. Je le connais pas, lui. C'était juste un patient. Je m'en fous, là. Il s'en joue avec son problème. Ouais, mais on est dans le même bateau, là. Hey, fuck that, on est tous pognés là-dedans, là. Moi, je pars en courant. Okay. Puis je m'en vais me cacher dans un autre bureau plus loin, okay. Dans le corridor où il n'y a personne. Fait que là, l'extraterrestre à la peau vraiment lisse, il est avec toi dans le bureau. Il est avec puis moi. Là, il fait comme Chris, ça fait longtemps qu'il est pas venu. Je suis sûr qu'il m'a bâti. Fait que là, il pointe le gun. Non, mon chum, il ment pas. Là, lui, il est parti là-bas. Si tu veux, on devrait aller chercher. Gars, moi, je te dis, gars, j'ai un demi-paquet sous moi. Donne boire tes cigarettes, on en a besoin. Gars, il y a des smoke sets. Je revenais d'une garderie. OK. J'ai donné des cigarettes au parc. Yeah. Là, il prend tes cigarettes comme ça, puis là, pfiou, il se téléporte. Il est plus là. Fait que là, on entend comme pfiou, 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 pfiou. Là, c'est redevenu calme dans l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, j'imagine, moi, j'attendrais genre juste une couple de minutes pour être sûr que tout est cool. Là. OK. Puis là, je sortirais, puis... Ben, ils sont tous téléportés, là. Il y a plus personne. OK, là. C'est ça. Je pensais... On t'entend plus de son, en tout cas, d'extraterrestres qui sont venus t'envahir, là, tu sais. Ben, en tout cas, moi, j'irais voir, bon, là, tu sais, on pourrait se retrouver, là, tu sais, puis peut-être juste comme... Puis là, vous entendez... Correct. Waouh, super fort, tu sais, puis à l'extérieur de la ville, il y a comme un building qui a explosé, puis il y a plein de feux partout, puis ça, c'est comme, il y a du monde qui se font tirer dans la rue, là. Tchou-t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 chou! Puis il y a comme des gros vaisseaux, là, tu sais, qui sont comme... qui commencent à atterrir un peu partout, là. Bon, je m'allume une clope. Ouais, moi, avec... Là, on fuck off. Dans le temps, ça fait 30 ans j'ai pas fumé, mais j'ai le goût de me filer comme quand j'avais 6 ans. Puis genre, on s'en allume une, puis on regarde ça aller, puis on est comme « What the fuck is going on? » On commence à comprendre pourquoi ce monde-là fume, parce qu'ils sont stressants, tu sais, ouais. ils tirent tout le kit. Là, nous autres, écoute, moi, dans vie, là, je me sens un peu démuni. Je suis comme le maire de la ville, mais j'ai pas beaucoup de pouvoir en ce moment. Mais je peux probablement rejoindre la police. La police de la ville, qui pourrait peut-être checker ce qui se passe avec la police? Ça. Mais je sais bien que peut-être, je sais pas, c'est pas tout le monde qui aime la police présentement chez les Klingons. Ouais, il y a des petits mouvements anti-police. Fait que là, je sais pas, je pourrais checker.
Ben oui. Fait que je vais appeler la police. OK. J'appelle la police. J'appelle la police. Fait que comment tu fais ça? Ben écoute, moi je sais où ce que il y a encore un téléphone. Il y a okay. des téléphones sans fil qui traînent un peu partout sur les clignons. Il y en a trop. Aux autres, c'est comme des Bixi, les téléphones. Il y en a comme partout. C'est la technologie, c'est le futur, c'est le même. Là. C'est les téléphones pour tous. Ils c'est sonnent, puis tu réponds. Ah, ouais, okay. Et puis, fait que je sais où ce qu'il y en a. Là. OK, puis fait je vais, t'appelles? Je vais les appeler. Puis là, pshou, la police se téléporte. Okay, exact. Côté de toi, fait que là, ils sont à côté de moi. Là, mais c'est là. Un chien policier, OK, mais qui ressemble vraiment à Chacha, là, tu sais. Puis là, fait comme, ouais, c'est quoi l'urgence? Ah, je suis content que ce soit le chien. En même temps, c'est les plus... Hey, c'est une chienne! Je m'excuse. T'as semé mon genre? Écoutez, là, je m'excuse. Qu'est-ce que tu veux, là, tabarnak? Écoutez, constable... Là, en ce moment, la ville est bombardée. T'es laquelle, tu penses-tu que les boys sont-tu là-dessus? Moi, je veux pas. Chris, t'es-tu batté dans la merde? T'as-tu regardé dehors? Je sais que la ville est envahie, calice! Mais là, y'a-tu moyen? Non, j'ai des yeux, Chris, esti, je suis un chien. En plus, je le sens très bien ce qui se passe. Y'a-tu moyen de venir nous chercher à l'hôpital? De quoi venez-vous chercher? Je suis là! Ça, nous autres, ça pète dehors. Bon, juste. Hey, on a recommencé à fumer, là. Tu peux pas laisser ça aller. Sais, moi, j'ai donné un calmant tantôt, là, parce qu'il était vraiment stressé, puis c'est peut-être pour ça qu'il était un peu buzzé, là. Je sais qu'en ce moment, il y a une situation, vous pouvez vous en aller, on n'a pas besoin de vous. Parfait, Il a juste sorti du site, là. Moi, je me dis, ce que je vais essayer de faire, là, pendant que lui est en train de perdre la raison, c'est. Il me reste des cigarettes, moi aussi. OK. Je vais les prendre, puis je vais les empoisonner avec du liquide qu'il y a dans le bureau à côté, parce Parfait. Que, tu sais, on a plein d'enfants dans mon okay. bureau. Comment ça, t'as du poison dans ton assiette de bureau, docteur? Le pire dans tout ça, la première affaire que t'aurais pu faire, c'est aller checker si les enfants, là, ben. Les enfants sont plus là, je pense. Fait que tu peux rouler ça, je pense que la difficulté, c'est deux par rapport à ça. All right. Là, tu réussis avec avantage. Non, les avantages. OK, il se passe rien. Fait que faut que tu reroules. Je roule, il se passe rien. Ben, comme t'arrives pour empoisonner l'escalade, tu fais voyons, qu'est-ce que j'allais faire donc? Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est méga succès. Fait que ça, tu réussis tout de suite. Méga succès! Mais c'est-tu juste tu réussis à empoisonner la cigarette ou il se passe de quoi avec ça? Non, là, tu réussis à empoisonner la cigarette. Les cigarettes sont empoisonnées. T'as des cigarettes empoisonnées. Bon, qu'est-ce que vous faites là, Star? Ben là, je suis comme dude, on peut pas rester ici. Là, il faut s'en aller d'ici. Parce que. Mais en même temps, ça sera pas dur de se faire marquer. Ils veulent des cigarettes, puis là, on en a. Là. Puis sont empoisonnés, je veux dire. Ouais, ils vont jumper dessus. Il faut se rendre à leur leader, puis leur donner ces cigarettes-là, tu sais. C'est ça qu'il faut. Là, les t'sais. Meilleures cigarettes. Il faut dire que c'est les meilleures cigarettes, puis il faut les donner au leader. Puis si le leader, il meurt, les autres, ils vont disparaître. Parfait. Moi, c'est ce que je pense, moi. Parfait. Puis ça tombe bien, parce que je suis au courant qu'il y a un réseau souterrain en dessous de l'hôpital qui nous permettrait de quitter le quartier, tu sais, puis de se rendre plus loin de la zone, de la hot okay, zone. Vous vous dirigez vers le genre de tunnel. Oui, exact. Vous dirigez vers le genre de tunnel, puis là, vous trouvez, tu sais, comme il y a plein, tu sais, tout où les cigarettes étaient entreposées pour les bébés, tu sais, il n'y en a plus, tu sais. Puis là. Toutes les cailles sont disparues. Toutes les cailles sont disparues, tu sais, c'est vraiment le bordel partout, tu sais. Puis là, vous trouvez un objet que vous n'avez jamais vu, en fait. C'est comme un genre de iPad, un peu, mais c'est comme un genre de poster qu'il y a sur le dessus. Puis sur le poster, il y a comme un genre de dinosaure, OK, full cybertronique, là, tu sais, avec des bras comme un genre de robot, tu sais. Puis il y a comme des lunettes fumées super cool, tu sais, puis il est comme sur un genre de grosse skate. Là, t'sais. Il est accompagné de Pierre Bruno, t'sais, qui est comme genre comme ça là, sur le poster. Puis c'est le cigarette, il y a comme genre 60 cigarettes dans la gueule. Puis il est comme genre yeah! Party cigarette! Party cigarette! Party cigarette! Ouais.